vu la nouvelle? Vous savez pourquoi toutes les exclusivités? Mais la souveraineté, mes deux as ont payé. Tu veux pas voir mes gars comme ça, toi? Mais nous, on va t'avoir la chaîne. En plus, quand tu travaillais à la caserne de l'Isère en tant qu'OPJ gendarme, pendant 24 mois, t'as pété tous les voleurs et les braqueurs du département de l'Isère. C'est tous mes gars, ils sont en cavale. Ils sont tous au jetard. À cause de qui? Toi. T'as fait des perquises. T'as pris leur argent. On appelle ça l'argent sous-scellé sous l'instruction du juge. Et tu les distribues dehors. Tu les distribues dehors. T'es le Père Noël, toi, pour distribuer de l'argent? Tu t'es approché de mon gars Huss l'enfoiré. Hein? Tu connaissais ma devise à moi. Tu savais que moi j'allais te battre. Pourquoi tu t'es approché de Huss l'enfoiré? Tout le monde connaît le producteur à Huss l'enfoiré qui est en cavale. Et t'as voulu t'approcher de Huss l'enfoiré pour pouvoir le tirer du nez, pour pouvoir péter le producteur à Huss l'enfoiré. Tout le monde sait c'est qui son producteur. Tu l'as forcé avec lui. Et tu t'approches de lui parce que les mecs de la caserne de gendarmes t'ont envoyé toi pour péter le frérot qui est en cavale au Rockma. C'est vrai que tu t'es approché de Huss l'enfoiré. Je connais toute la vérité. J'ai toutes les exclusivités. Mais la souveraineté, mes deux as ont payé. Tu veux pas voir mes gars comme ça, toi? Tu distribues des...